Salut. Ça fait un moment que j'ai pas stream. Du coup, aujourd'hui, je vais reprendre le dev sur checkmark.dev. J'avais commencé à migrer progressivement le truc vers GraphQL. J'essaie d'apprendre en même temps à utiliser GraphQL avec Ruby et Vue.js. Donc je vais continuer de faire ça et après je verrai ce que je ferai sans doute d'autres petites features pour Checkmark. On va voir. Voilà, c'est un petit stream chill où j'avance pépère sur le code de Checkmark.dev. Ok. Ok, donc ce que j'étais en train de faire tout à l'heure, c'était de pouvoir créer un commentaire avec la mutation qui était ici. Donc là, j'ai create comment, donc on va retourner dans la vue. Comment j'avais fait sur l'autre?
coup, j'y passe les variables. Update cache. Du coup, c'est une méthode qu'on doit appeler pour update la liste. La liste des commentaires. Done. Done, c'est... Ok. Parce qu'on a fini de... Ok, ok. Donc, on va passer les variables. Oups. Donc, les variables ici, c'est quoi ? C'est task UAD et content. Task UAD, du coup, ici, ce serait. Est-ce que j'ai la task ? J'ai la task. UAD et content, du coup, ici, ça va être form data content. Ok. Ok, donc là il expose trois trucs. On va copier ça, on va caler ça de 1. Et du coup, on n'appelle plus submitted, mais on appelle mutate. Du coup, ici on n'a plus besoin du wait, mais on va plutôt utiliser le loading. Ensuite, on a error. On va faire ça en attendant. Si j'ai error, j'affiche, sinon on n'affiche rien. Donc ça, ça devrait être bon. Ensuite, on va faire... On va tester déjà que ça fonctionne. Merde. On va relancer la stack. Ok, il a relancé le truc. On va préparer déjà le update. Donc c'est pas ça. Update cache, on va copier ça. Donc là je vais avoir comment, non, du coup c'est pas create comment mais create underscore comment. Je vais la bouger dans un fichier, ce sera plus simple. Hop. Comment.
Du coup, ça. Toujours. Du coup ici, je vais faire porter la même chose. Find field all comments. Pas sûr de comprendre l'erreur. Valid violation can't find field. An object. Ah.
Ok, comment je fais? Du coup, pour lui passer la variable. Donc, c'est ça, le truc. C'est qu'ici, je ne connais pas. Ok. Si j'ai une variable genre. Attends. Ah, ok, j'ai compris, c'est ici. Du coup. La query là, il faut que je passe la variable. Et du coup ici c'est task pour value. C'est ça. Voyons voir. Yes, c'est ça. Ok. On peut faire ça ensuite. Ok, cool. Ici on avait quoi? On avait la requête vers là. Ensuite faisait un observer reset. Faisait un clear du champ et il affichait un success. Ok. Pourquoi il emit un new comment? Ça sert à quoi ça? New comment, load comments. Ah. Du coup ça on n'en a plus besoin puisque on push directement le nouveau commentaire dans le truc. Donc hop. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? On va commit déjà ça, donc. Ok.
Ok, ensuite. Ensuite. Là, attends, ça fait. C'est très moche ça. Pourquoi ça fait ça? Non, c'est pas lui qui doit être en... c'est ici. Donc là, je suis fait un between. Faudrait que le compteur ici se update, mais je peux pas le faire tout de suite parce que ce compteur là vient de du get task. J'ai pas testé un truc, c'est la création du lien suite au changement que j'ai fait. Si je fais ça, normalement, pas d'erreur, ok, c'est bon. Ok, donc create link, create comment, all comments. Ok. Ok, ça c'est fait.
Ok. Il y avait un bug que j'avais vu. Ouais, ça, quoi, corriger ça vite fait. C'est dans le book. C'est dans le webbook de user. Ici. Donc là, c'est dark text G300. Ok. Ok, ça a l'air good. Hop. Merde, j'ai poussé dans la mauvaise branche. Migrer les likes, enfin les réactions sur du GraphQL aussi. Vas-y, on va faire ça. Ça va être pareil que les commentaires, on va juste dupliquer du coup la plupart des trucs. Ok, donc ici, l'ID, c'est ça. Ok. Si je teste ce truc, ah, il y a une erreur. Expected. Où ça?
Query type ling 47. Front dans la musique, elle me pète les oreilles là. Et du coup sur la modale j'ai quoi? J'ai la task qui est passée en paramètre. Et du coup ici, j'imagine, ici faire ça. Ici en fait. Donc on l'a expiré. Donc ici j'ai la liste de likes, ensuite like user. Okay, donc ça doit être bon. Ça, on va enlever.
ça aussi d'ailleurs. Je vais essayer de faire la mutation pour ajouter un like. C'est bon, c'est task. Task like button. Si je me souviens de tête, il faut que je passe les variables. Task ID. Ensuite, j'ai un template ici. Avec le VSCloud. J'ai du coup mutate loading et erreur. Donc au clic il va appeler du coup mutate. Ici j'ai plus besoin de ça mais loading. Je lui donne like task.
Côté bac, notation. Keyword content. Missing keyword content. Ah merde, j'ai oublié de le rajouter dans ça. Ah non, c'est bon. Create like. Des likes à l'infini. Le truc c'est que au niveau du like d'une task, c'est où ça? C'était où? C'était là. J'avais cette logique là de dire que si le like est déjà présent, on faisait rien. On pouvait pas like sa propre task. Ok. Copier ça.
Cool. GraphQL is not defined. C'est parce que... Je ne l'ai pas importé. Yes. Ça me manque tout à l'heure. Ça, il faut que je retourne du coup la task ici. Ok. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a ça. Sinon je le fais ici, non, c'est pas chiant. Du coup, si le truc est présent... Attends, c'est où? C'est là. On va essayer avec un autre compte. Faut que je crée un compte. Ok, donc là, si je lui like, ok, donc le like est bien créé. Et du coup, si je reclique, j'ai bien dislike.
Ce que je pourrais faire ici. Donc ce que j'ai peur, si je fais un query dans le bouton, il va faire une query par par bouton du coup. Self-task, le like, on n'en a plus besoin. Ok, donc on a juste besoin de régler le souci du compteur et du fait que ce soit notre propre task ou non. Non, que ce soit qu'on ait liké la task ou non. Ici.
fasse un truc. Ok. Ah. Je suis con. Ok, donc je peux pas faire comme ça.
je garde ça en attendant de migrer les tâches. Sinon, je mets... donc ça me retourne directement les task group. Ok. Du coup, ici un get, enfin retrieve task groups. Le retrieve, il fait un set task group. Sinon ouais je l'update directement dans le store, mais du coup vu que je peux pas écraser ce truc, il faut que je trouve un moyen de savoir d'où vient cette task. Genre si je fais du coup le update et appeler le update cache. Update le cache, on va update le store. Non, j'ai l'accessoir. Du coup, comment on va faire pour update le store?
Aussi. Quoique non, même pas. Ensuite, j'ai un truc. Non, c'est pas logique ce que je suis en train de faire. Attends, est-ce que j'ai un autre moyen? J'ai pas mis le type de task.
Ok. Du coup, quand on fait la mutation, je vais récupérer la liste des likes de la task. Comme ça, je peux update le compteur sans trop de soucis. C'était où? C'était là. Du coup, ici, task. Ici j'ai like. Like, like, task, likes, points. Ça va être comme ça, je crois. Alors, j'ai mis un 2 points. Ok. D'erreur. Ah si, ok. Donc si je fais un like sur celle-là, j'ai bien le like qui est fait. Create property tasks have been defined. Yes. Est-ce qu'ici c'est items? Ici, pour les thèmes, c'est tasks. Comme ça. Ok. Ok, donc j'ai bien attends, parce que quand j'ai fait un get, j'ai une task, j'ai pas de compteur, j'ai juste le UID, je crois. Tasks. Ouais, c'est un array de UID. Ok. Donc ici, c'est pas length, mais les UID qu'il me faut. Ok.
Mais il va pas s'update. Ok. Ah, là j'ai query le UID de la du like. Ce qu'il me faut c'est l'UID de l'user. Est-ce que je peux le récupérer? Ça fonctionne. Ok, cool. On a créé une mutation create like. On a rajouté task sur le like. On a créé un type task. Ça c'est good, ça c'est good. Ok. Ah, j'ai pas testé sur ici. J'ai fait là. Update pas. C'est quel composant ça? Faisons task, like button. Ici, donc ici, j'imagine un objet task. Local, ouais, il est là. Ok. D'ailleurs, ça non plus. Et ça non plus d'ailleurs. On le fait directement dans le truc de comments. Hop. Ça, ça dégage. Task comments. Hop. Ça, on dégage. Ça,
Ça dégage aussi. On peut faire ça. Non, j'utilise le... Maintenant je peux pas l'utiliser parce que il est basé en task group. Du coup je peux pas utiliser le store. Il va falloir que j'ai dans le store. Sinon je fais un truc à l'arrache, genre au niveau du like button, il va émettre un event. Global avec avec la task genre ça, globalement c'est ma nouvelle task qui a été update avec la nouvelle le nouveau compteur de like. Du coup ici je mets task update, du coup il va update ici dans la liste des tasks. Je vais faire un truc en plus, c'est limit. Est-ce que j'ai limit ici? Non. Hop. Du coup, limit. Task avec task to update. Mettre une to-do ici parce que ça il faudra l'enlever. Et du coup, quand on est sur la vue task.
C'est un truc comme ça. C'est à l'arrache, mais ça fonctionne. Ok. Ah, tiens, normalement c'est censé m'afficher la liste des likes et pas envoyer une query. C'est pas censé envoyer une query là. Ah oui, parce que j'ai enlevé le as on machin là. Yes. Faisait que il ouvrait la modal. Ok. Yes. On peut l'appeler like. Donc ici, on va plutôt faire. Comment on pourrait faire ça? Ok. Cool. Non, ça c'est bon. Ok, ok. Ça on peut commit. Nice. Cool. Fonctionne bien.
réfléchir à ce qu'on peut faire. D'autres trucs qui est simple, relativement simple. Peut-être le update d'une task avec le state. L'édition. Des profils, c'est des trucs. Du get. Ah, c'est pour update la vie des projets, ok. Bah tiens, la vie des projets, on pourrait le foutre dans une query. Vas-y, on va faire ça. Maintenant qu'on sait faire. Ok. Donc on a quoi ici? On affiche la liste des projets à partir de user. Ok, donc ça c'est les boutons ici. Ça c'est le ajouter un projet. Ça c'est quand il n'y a aucun projet. Et du coup il affiche tout le bloc en fonction de si l'utilisateur a des projets ou si on est logué et que c'est notre projet. J'ai fait Macron. Non, je déconne. Ok, donc là on pourrait rajouter une query qui englobe tout ça, j'imagine. Il faut qu'on crée un type projet. Donc user, on va avoir du coup une liste de project field projects, là ça va être type. Faut que je fasse ça. Ok.
comment utiliser ce truc. Pas sûr que ça marche. J'imagine que ça gère. Ok, donc c'est bien le truc. Voilà, arguments. Expected zero.
même si je m'y appelais. Il ne veut pas l'appeler.
Ok. J'ai oublié de rajouter le avatar sur le project dans le type. Je pense que je peux reprendre ça. Ouais. Hop. Avatar URL, ok. Un texte existant project pourtant si Viens là.
Ok, donc j'ai besoin de slug, matériel, name et URL à cet endroit. Et on a dit c'était URL. Ok. Ça. Attendons. Voyons voir ce qu'il me fait. Country dot find. Data user project node. Project pluriel ici. Ok, ça on peut enlever. Donc ça devrait être bon. Quoique non, parce que en fait on va être là-dedans pour avoir le truc. Mais non, c'est bon, ok. Non, c'est good. Le project, mais du coup pourquoi lui il n'affichait pas.
Non, c'est pas logique en fait ce truc. Parce que du coup j'ai forcément l'user. C'est ce niveau là, du coup le 4 sur 4, du coup ici. Je me rappelle pourquoi j'avais fait ça. Je me rappelle. Donc ça c'était. Et du coup il y avait ça en plus. Hop. Qui doit être du coup. Ici. Ok, bon je vais m'arrêter là. Maintenant on va juste merger ça et on va déployer. Là, ça fonctionnait pas, donc je comprends pas pourquoi il me le propose. Attends, je vais rerun. Ça fonctionne. Ah, c'est peut-être parce qu'il s'attend à ce que ce soit le dernier de la. Ok. Donc le delegate, c'est vraiment les derniers champs de, du type. Ok. Ok, donc ça va déployer normalement. Yes.
Ok, moi je vais vous laisser là. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour les prochains streams et à rejoindre checkmark.dev. Voilà. Je vous dis à bientôt. Just like the white bar.